Bonjour, c'est une association qui existe depuis 16 ans sur Quimper, qui est née à Quimper. Notre objectif est de faire évoluer les comportements alimentaires des habitants, des citoyens, donc des adultes, des enfants, à travers des actions de sensibilisation et de formation à l'alimentation. On a créé cette maison de l'alimentation itinérante, dont la première étape est sur Quimper pendant le mois d'octobre et dont l'objectif est de rencontrer les habitants pour donner des clés pour mieux manger, une alimentation saine et durable. Et donc on déploie sur chaque territoire sur lequel on est un programme d'action à destination de tous les publics, donc pour les scolaires, des formations professionnelles, des accompagnements, du travail aussi auprès des entreprises. On va dans les maisons de quartier. L'objectif, c'est de toucher un maximum de public et de lancer vraiment une dynamique sur la thématique alimentaire sur chaque territoire. Moi, je suis arrivée dans l'association au bout du jour il y a un peu plus de 10 ans. Et moi, je suis diététicienne de formation et j'ai fait une formation complémentaire sur le volet aliments santé. Et j'ai toujours eu envie de travailler sur le volet prévention. Et donc c'est pour ça que j'ai évolué dans l'association depuis une dizaine d'années. Et aujourd'hui, je suis chef de projet et je pilote le projet de la maison de l'alimentation itinérante. Donc la maison de l'alimentation itinérante, c'est forcément un outil, donc une maison, une petite maison en bois qui est située sur une place. Donc là, par exemple, à Quimper, on est à la place Saint-Corentin. L'objectif, c'est de rencontrer un maximum de public, d'y accueillir les habitants et puis de leur proposer des ateliers participatifs ou tout simplement un échange avec différents partenaires qui viennent tenir une permanence avec nous chaque jour pendant le mois d'octobre. Et puis, au-delà de ça, on propose des actions un peu partout sur le territoire.